Alors Maëlle, une première étape du Tour de l'Ardèche particulière pour toi, tu t'es retrouvée à l'avant, mais t'as pas roulé. Oui exactement, je me suis retrouvée à l'avant, c'est sorti avant le deuxième grimpeur et après bah, on est là pour gagner le général. On a plusieurs cartes, devant il y avait quand même quelques concurrentes qui peuvent être dangereuses sur les étapes difficiles avec des longues bosses. Donc du coup voilà, j'ai clairement pas roulé devant et ouais, j'ai pas participé à l'échappée simplement, mais dans le but du classement général pour l'équipe. Mais finalement tu as fait le travail à ta manière en protégeant les leaders de l'équipe. Exactement, voilà, j'ai pas roulé et puis j'ai été chercher le maillot de grimpeur pour avoir quelque chose à la fin et c'est toujours bien d'avoir un maillot même pour l'équipe. Donc voilà, ça reste quand même une bonne journée. J'imagine, même si c'est le jeu, que tu as frustré quand même quelques filles à l'avant, surtout en allant faire les grimpeurs. Ça a gueulé un petit peu à l'avant. Raconte-nous comment ça s'est passé. Oui, c'est sûr, je me suis fait un peu engueuler et tout. Après, voilà, c'est les consignes. Derrière, on a des très bonnes cartes pour le général. Donc, c'est le vélo, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu vas espérer, toi, personnellement, de cette semaine? Comme tu le disais, le but, ça va vraiment être faire le travail jusqu'à lundi pour Martha, pour Evita. Ouais exactement, Martha, Evita, même Lou, on a trois bonnes cartes voilà, pour le classement final. Donc c'est les aider et après si personnellement je peux avoir une échappée, je retournerai devant. Mais avant tout c'est le général avec les filles. Pour conclure, tu en es où là physiquement en cette fin de saison? Alors, physiquement je me sens bien, j'ai eu la blessure fin mai sur la Ride London à l'épaule qui m'a arrêté un long moment. Donc j'ai seulement repris mi-août, donc voilà, j'ai une certaine fraîcheur physique et mentale. Donc qui me permet, en tout cas j'ai l'envie et les bonnes sensations elles sont là.